C'est bien, c'est Baïd et c'est Roy, ouais, du côté de Popiette, ça je m'en doutais. C'était soit lui, soit Chrome de toute façon. Et c'est parti donc, coup d'envoi de ce match. CBO3 toujours, on est d'accord. Donc c'est bon, pas de soucis, c'est Roy contre Baïd. Psycho Soldier Theme sur le Small BF. Ça va être beau en effet. C'est parti. Bon, ça joue, ça s'observe hein, pour le moment. On se cherche qui va faire le first strike. Ça c'est tendu et ça se cherche. Et c'est Popiette qui prend le first strike et direct 24%. Allez, ça s'enchaîne bien pour le moment. C'est magnifique. Et merci à FFChan de follow. Bienvenue à toi. Pop, si tu gagnes, je te conseille top 1 de Nog. Ah là 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 là. Ah, Popiette qui a les fans direct sur le chat. Il est très populaire, on va pas se mentir. Ah, déjà 102 à 0, ouais, je m'attendais pas à ça en vrai. On sait que les deux, comme je l'ai dit, les deux ont joué en free play, donc ils se connaissent bien. Non, mais... ça danse avec le diable, ouais. Parce que là, c'était à deux doigts de la SD. J'ai vu ça tout à l'heure en free play. Et là, le combo. Oh, ouais, là, ça pardonne pas. 28%. Oh, et ça enchaîne. Oh là là, comme il a rattrapé son retard, c'est magnifique. Le up contre le side. Oh, attaque magnifique, 132%. Eh, ça veut chercher aller. Ça veut chercher aller smash le down smash pour l'envoyer dans le vide. C'est efficace, mais. 147, ça tue pas. Hein, c'est. Les deux s'observent, les deux font vraiment. Et voilà, ça tue en effet. Avantage, Popiette. Une première stock. Vas-y, Popiette, je te fais livrer une pizza. la Popiette Squad est dans le chat. Et ça fait plaisir. J'ai envie de dire ça, c'est bon. C'est la Popiette Squad. 87 pour le moment. 106, ça ne tue pas, mais... Ah, c'est la SD, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. De retour à 2-2. Et la tension... La tension est palpable. Coupé au couteau. 17% à 37. Oh non, quelle erreur! Oh non, l'erreur! Aïe, 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 aïe. Y'a R, y'a R. Y'a R est quand même avantage mids hein, pour l'instant. C'est. Ah, automode qui semble. Soit trash talk, soit trash talk. Mais bon, c'est. Ah, ah. Ah, bah voilà. Bon, bah un message qui sera forever. Forever freeze. Bah non, mais ça se dit pas quoi. Ou alors ça se dit, mais pas sur le chat. Au pire, ça se balance en MP, mais ça, c'est pas de notre ressort. Attention, Popiette, là, qui joue vraiment serré, mais qui évite de se faire toucher pour le moment. C'est très défensif. Oh. C'est parce qu'il veut pas de la pizza supplate. Encore ce débat de la pizza à l'ananas. Moi, je m'en fiche, je n'ai jamais essayé, et j'ai pas envie d'essayer, parce que, voilà. La pizza, je la préfère classique, pas de fromage. C'est la meilleure. La classique. Non, il y a plusieurs meilleurs, c'est sûr. Mais les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, les gars. À un moment, voilà quoi. Attention, 133. Ah, ça. Si, ça remonte. Hein. Mids qui. Ah, mais Mids qui est chaud. Et là, c'est avantage Mids clairement avec les 100%. Une stock d'avance. Est-ce que. Premier match, eh oui. Premier match pour Mids. One Zed. Avoir un match de remède casté par mon Fabinho, c'est une scène. Oh non, c'est pas assez. Ça va, c'est cool. Monsieur Rapido, c'est serré de ouf. À un moment, là, ils... Ah, t'as déjà fini contre... Non, c'est juste à fond le gagnant. Ah. Oh. Et en gros, t'as monsieur avec Dracofeu, ils sont tous les deux à 50%. Il fait un bout de feu. Il arrive bout du terrain parce que Rapido a spot dodge. Rapido vient, dash grab. Spot dodge, la smash. Oh. Ouf. Oh, je crois que ça va jouer sur Kalos, là, pour ce deuxième match. En vrai, le truc, c'est que Rapido, je crois qu'il a du mal contre KT. Ouais. C'est la revanche, c'est le deuxième round, c'est balle de match du côté de Mid. Et ça va se jouer sur Kalos. Et c'est parti, smash. Et ben c'est déjà la SD.
C'est déjà la SD du coquet de paupiètes. C'est record time, je crois. Hein. Je crois dans le Guinness Book, c'est record time. Peut-être pas quand même. Je crois qu'il y a eu pire. Mais... Ah, il y a eu pire. Bon. Je dis pas, je connais pas l'histoire. Je sais pas, à mon avis, il y a dû y avoir peut-être une erreur, peut-être. C'est mis à mis le premier coup et derrière, il y a dû y avoir un problème. Il y a un rebound ouais, sur le mur, je sais pas trop ce qui se passait. Hey, tout le monde est choqué dans le chat, ouais. Hey, c'est pareil pour nous. Hein. On est choqué, même moi je suis choqué. J'ai regardé même pas l'écran. J'ai regardé vite fait quand je l'ai vu. Oh merde, je me suis dit merde. Et en même temps, mais what? La pression du stream. Non. Enfin. Il y en a qui retournent leur veste. Hein. Ça, c'est ça, bah, ça change de veste. Il y a eu combien qui ont été glissés sous la table, je dirais? Parce que tout le monde sait que c'est une question de pépette, hein. Oh les pépettes. Alors, attendant, la pression, la mid 74, une stock d'avance, 46, 56, oh là 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 là, les mids qui enchaînent. Il va falloir calmer le jeu du côté de Paupiette, hein. La lance qui passe, oh, c'est, ah yeah, 100%, ça y est, là c'est un, oh joli, le B qui passe, et là, c'est le rebound qui ne tue pas, mais, quel dommage, ouais, mais, c'est peut-être l'occasion de revenir là pour Paupiette, et, ah, et, ouh non, ça revient, ça fait pas la même erreur que tout à l'heure. La pression, oh la flèche qui passe, 160, ça tue pas, mais c'est la pression qui est maximale. Oh le up qui passe, et c'est deux stocks d'avance du côté de Mizla. La situation est critique du côté de Paupiette, on veut éviter quand même le sweep, hein. Ce serait vraiment l'honneur au moins, ce serait de s'emparer d'une stock. Éviter le sweep, mais là... Ça semble compromis. Aïe 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 aïe, 68% déjà, hein, c'est... On notera quand même, c'est la SD qui fait mal dès le début, c'est dommage, parce que sinon ça aurait pu revenir. Ça tue toujours pas, hein, le up qui ne tue pas malheureusement. Et ce qui revient... La tension est palpable. Le premier qui fait une erreur, c'est... C'est ça, là c'est 153 et toujours pas mort, hein. 165, c'est abusé. Oh la flèche qui passe, 82, et là c'est la pression. Et snipe le, et là ça envoie, ça tue toujours pas, hein. Le throne tue pas, ça. Forever Kalos. Oh la pression, oh non, et c'est l'erreur. Et c'est terminé, c'est malheureusement le sweep, et ça envoie. Malheureusement, ouais, et ça envoie Mit directement au deuxième tour, tandis que pour Paupiette, c'est le loser bracket. Il est là, t'as le studio ou pas?